Hey, salut à tous! Heureux de vous retrouver dans les forêts, cette fois-ci alsaciennes, pour participer à un événement plutôt intéressant. Et oui, j'ai participé au Wheelstark Event. Ok, bien, j'ai répondu à leur invitation. Je trouve ça vraiment sympa ce qu'ils ont organisé et tout. Et l'année dernière, déjà, je voulais y aller. Mais j'ai pas pu. Du coup, là, je m'y rends. J'ai à peu près 1h30 de marche. Ce qui est bien, c'est que la météo est super clémente. Il fait un peu chaud. Mais ça va. Donc, je vais les retrouver au camp. Et j'ai envie de vous dire, c'est parti! Donc voilà, campement terminé. Donc du coup je me suis fait un lit brancard. Voilà, que j'ai confectionné avec un trépied ici. Deux perches avec que j'ai fait passer entre mes toiles de jute. Et ici je suis venu mettre deux bâtons dans l'arbre. Voilà, donc ce qui fait que ça tient bien. C'est super confortable. Je suis venu mettre le tarp par-dessus. Avec une fêtière ici. Et ça rend plutôt pas mal. Voilà, petit camp Forestcraft. On a fait le tour un peu des abris, là c'est vraiment super, il y a plein de types d'abris. Et du coup là on est en train de manger. Et franchement super, ouais. Plein d'idées différentes et tout, nickel. Non, le mieux c'est en finlandais, enfin en finnois. En finnois, tu peux pas ne pas retenir ce truc. Quand tu fais santé, c'est kipis. Kipis. J'avais essayé vite fait avec mon couteau et tout. Je pense qu'à un moment donné ça peut sécher. Alors si t'as pas mis ton string pointer, je te propose de tirer par le cul. Alors cette attache, vous voyez. Ça c'est un lit à cordes que j'ai fait, tu vois, je vais tresser hier soir avec d'ailleurs. On a fait les cordes, on les a tressées, tout ça, on a fait du duvet. 4 heures pour faire un poil de cigogne, un plume de cigogne. Ouais. Ouais, 4 heures pour faire ça, 4 heures pour celle-là, c'est 8 heures. Quoi. Plus haut en plus, nickel. Ouais. La bâche, en fait, un vrai feuille de. Ouais, ouais. Feuille de châtaignier. Feuille de châtaignier. En tout cas, t'as fait méchant l'hypothèse. C'est gazé. Ouais, mais il y a déjà un 70 dans l'air. Donc, on est obligé de faire au moins deux billets.
Ses repères, tu vois, il affine. Ah, là, tu mords la vie, là. Oh, tu t'arrêtes ou je jette ton appareil photo? Hey salut, bon, du coup j'ai passé une super bonne nuit là dans ce lit brancard, c'était vraiment super cool. Donc là j'ai été me laver et déjeuner ce matin, donc là il est à peu près 10h30. On voit que tout le monde s'est installé près du feu commun. Bon, franchement le lit brancard avec les deux systèmes de trépied ici et là, avec les deux barres où donc, vous pouvez faire passer vos tissus, c'est vraiment le mieux, j'ai trouvé ça mais même mieux que le hamac. C'est la première fois que je passe une nuit aussi bien que ça. Non, vraiment super, je me suis pas réveillé en fait. Dès que j'ai fermé les yeux, je les ai réouverts. C'était le matin, donc super. Donc voilà, j'ai retrouvé les autres. You get a shiver in the dark, it's raining in the park. South of the river, you're sopping your holes in the band. The band's blowing Dixie, double four time. You feel alright when you hear the music playing. Well, you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain to hear the jazz roll down. A competition in other places. Allez, salut les gars!
bientôt. Way on down south. Way on down south London town. Check out Guitar George. He knows all the chords. When it's strictly rhythm, he doesn't want to make you cry or sing. They said an old guitar is all he can't afford. When he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make. Merci les Wally Stark.